C'est génial, c'est la haute technologie. Franchement. 4K, PlayStation 4 aussi. Donc Julien, on est après cette conférence. Est-ce que finalement c'était un petit peu ce que tu t'attendais? La conférence? Ah bah moi j'ai déjà vu Amano, donc ça y est, c'est bon, je suis heureux. C'est-à-dire que cette année j'aurais vu Sakaguchi ou Uematsu ou Amano. Quand t'es fan de Final Fantasy comme je le suis, t'es content. Même si j'aurais rêvé qu'il soit resté plus longtemps et tout, mais bon. Et puis oui, bah, c'est intéressant de voir aussi que parmi les fans de Final Fantasy, il y a toujours cette difficulté. Quand tu leur poses la question « qu'est-ce que vous attendez ?», ils disent de la nouveauté, puis tout de suite après, le retour des matérias. Donc tu vois, c'est deux trucs antinomiques, quoi. Mais c'est normal, et c'est la complexité qu'ont des créateurs de jeux aujourd'hui, quand il y a des grandes séries bien établies, de réussir à insuffler à la fois de la nouveauté, parce que sinon t'évolues pas, et à la fois bah, garder l'héritage et la base, etc., pour pas non plus complètement frustrer les fans, quoi. Donc c'est pas facile, c'est pas facile. Alors sur une conférence Final Fantasy, on a eu ça le comble. Est-ce que tu t'attendais forcément à cet engouement? Ah bah je sais à quel point Final Fantasy c'est une licence, une série qui compte pour les gens, vraiment. Je le vois à chaque fois, hein, dès que ça part de Final Fantasy sur Gameblog.fr par exemple, y a vraiment un engouement et tu le sens parce que il y a des détracteurs, des gens qui aiment pas la direction que ça prend, ou les gens qui adorent et qui défendent la série, etc. Donc c'est une série qui est encore vivante. Vivante, c'est pas forcément tout le monde d'accord. Et donc c'est bien. Et je pense qu'il y a énormément d'attentes sur l'avenir de Final Fantasy, sur Versus 13, sur la suite. Il y a la Next Gen là, qui pointe le bout de son nez d'ici la fin de l'année prochaine. On sait que Square a beaucoup bossé sur leur nouveau moteur graphique. Le Anis Philosophy montre quand même qu'on peut s'attendre à des choses assez impressionnantes. Donc moi je suis persuadé qu'on va avoir de l'open world sur le prochain Final Fantasy. Et je pense que c'est un truc qui sera vraiment cool de retrouver ce souffle d'exploration, de découverte. Je pense que la série en a besoin. Alors définitivement, Julien, on se donne rendez-vous à l'E3. Ah bah plus que jamais, ouais. L'E3 2013, si vous le suivez pas, c'est qu'en fait vous aimez pas vraiment le jeu vidéo, pour de faux. Parce que là, mais laisse tomber, ça va être l'explosion. C'est la fin de cette génération, qui est quand même assez impressionnante, et le début de la nouvelle. Que demande le peuple? Rien de plus, rien de plus. Eh bien je te remercie Julien, on se retrouvera peut-être pour une seconde édition à Monaco. Ah bah avec plaisir, ouais. Clairement. Merci beaucoup Julien, à très bientôt. Ciao, à bientôt sur Gameblog. Ça, c'est moi, j'aime bien faire plaisir aux gens. Alors, ce qui nous intéresse chez FF Dream, c'est aussi ce que tu peux produire, en tout cas, ce que la boîte d'édition peut produire du côté de Final Fantasy. On sait que vous avez sorti des choses du côté de Final Fantasy 7, et en plus, vous êtes distributeur pour Square Enix. Ouais, alors Square Enix, c'est assez récent, c'est tout ce qui est goodies, merchandising, ils passent par nous, donc pour les peluches, pour les OST, etc. On a pas mal d'OST sur notre site internet. Et pour les bouquins, on a commencé une série sur les RPG, donc avec Final Fantasy 7. Et dès la prochaine Japan, on aura un bouquin sur FF8 et un autre sur FF9. Et ainsi de suite, on va continuer la série comme ça. Il y a eu des bruits de couloir comme quoi il serait possible que pour les prochaines productions, vous auriez peut-être des visuels. C'est ce qu'on essaye en tout cas, donc ça fait un moment qu'on est sur le dossier. On voit que plus on sort des bouquins et plus la qualité augmente, plus les éditeurs nous prennent au sérieux et acceptent de travailler avec nous. Donc pourquoi pas un jour, on verra bien. Très bien Nicolas. Une dernière question, on est au Monaco Anime Game Show. Est-ce que tu es assez étonné en fait de l'engouement pour les arts japonais à Monaco? Ouais, parce que c'est vrai qu'au début tu dis Monaco, c'est pas trop le domaine où tu te dis il va y avoir un petit peu de passion et d'effervescence là-dessus. Mais on se rend compte qu'on en fait dans le sud à Toulouse, ça marche, à Marseille ça marche, donc à Monaco aussi. Donc on se rend compte qu'on a tous à peu près les mêmes centres d'intérêt, les mêmes goûts, enfin notre génération en tout cas, donc c'est super quoi. D'accord. Dernier mot Nicolas, est-ce qu'on aura des nouvelles choses à Japan Expo? Ouais, on aura plein de nouvelles choses, donc des nouveaux bouquins sur Final Fantasy et après tellement d'autres choses encore, mais bon, je peux pas promettre tant que c'est pas sûr, donc je préfère rien dire encore. Merci beaucoup Nicolas, c'était Nicolas de Pix & Love. N'oubliez pas les éditions Pix & Love, les éditions qui vous font du bien. En tout cas, il y a le choix, ça c'est bien. Ça c'est top, je te remercie beaucoup. Merci. Au revoir.